Nous allons voir dans ce tuto 25 sur l'éditeur Unreal Engine 4 comment créer de la végétation d'une façon aléatoire. Nous voulons donc obtenir ce résultat, donc euh, des fleurs avec de l'herbe qui est déposée euh, donc sur le sol mais d'une façon complètement aléatoire. Alors ceci est fait à l'aide d'un blueprint qui se trouve ici actuellement. Alors nous allons créer un nouveau blueprint et voir comment on peut créer la programmation de ces euh, événements. Nous commençons donc par créer un nouveau blueprint. Alors, comme d'habitude, new blueprint. Alors, vous donnez ensuite un nom. Là, je l'ai appelé mi random foliage. Ensuite, dans la partie composante, on rajoute ici pour avoir le sprite qui est représenté ici, on doit ajouter un component du type billboard. Ensuite, on rajoute ici un autre component qui est un box. Donc, vous allez à cet endroit et vous choisissez box. Ensuite, on va dans la partie graph et on va dans la partie construction script. Donc c'est l'initialisation. Alors ici, on va créer un box à l'endroit de la création donc, des plantes, ou bien du foliage en anglais. Alors ici, vous voyez, j'utilise plusieurs variables. Une variable ici du type booléen qui va nous dire si la surface va être alignée au sol, ou bien euh, si ce n'est pas le cas. Ensuite ici, on a un rayon. Qui correspond en somme, vous voyez un rayon de 200 qui correspond en somme à la grandeur de la boîte. Ici on a un rayon de visualisation qui est justement le box component. Donc c'est une variable du type box component. Donc on va agir sur ces valeurs. Ensuite ici on a une collision trace qui est une variable du type floating point. Alors, si je commence ici, j'ai une branche en premier. Donc, suivant l'état de la variable boolean, je vais soit ici, soit ici. Alors, si je pars là, eh bien, je vais créer un box avec les valeurs qui se trouvent sur le target et ici, sur le vecteur qui est ici. Donc, le vecteur qui est ici reprend les valeurs du rayon, donc de 200 par exemple, puisque par défaut on a 200. Ensuite, on a ici une valeur aussi de 50, donc en hauteur, et on multiplie cette valeur de 50 par 2 pour l'appliquer sur l'axe des z. Ici, on retourne donc un vecteur x, y, z que l'on applique donc sur ce setbox extend qui en somme crée. Le box. Alors, si on est une condition false, ce qui est le cas ici, vu que la variable n'est pas cochée, eh bien, on va partir de ce côté et cette fois-ci, on va avoir un box extend avec les valeurs qui sont appliquées à cet endroit. Donc, l'extension du box se fait à cet endroit, donc grâce à ce vecteur qui est créé ici. Alors, ici, on a une division par 3 et ici une division par 2 ensuite à cet endroit eh bien c'est la localisation de la boîte donc là on crée les dimensions de la boîte et là on crée le point de localisation de la boîte donc si je fais un compile et que je sauve au moment où je vais appliquer ce blueprint dans la scène alors on va obtenir donc ceci d'abord je supprime le blueprint qui se trouve ici, et je place celui-là. Donc vous voyez, on a le sprite plus la dimension du box. Alors, comme ces variables ici sont aussi publiques, on les retrouve donc à cet endroit dans les caractéristiques. Donc là, vous voyez, on peut augmenter le radius à 500, par exemple. Donc vous voyez que la boîte augmente de dimension. Et de la même façon, je peux aussi augmenter ici la hauteur de la boîte. Alors je mets par exemple 200. On crée ici une variable de type tableau où va se trouver donc toutes les mèches que l'on veut déposer au sol, donc toutes les plantes que l'on veut déposer. Alors ici, vous avez la possibilité de rajouter donc des des statiques mèches qui correspondra à, aux différents éléments alors par exemple je vais en mettre 4 ensuite il va falloir que j'aille les chercher donc dans le browser je retrouve donc les statiques mèches donc dans ce répertoire donc je fais des drag and drop à cet endroit pour poser mes différentes plantes dans le tableau Ensuite ici je recherche le nombre la longueur du tableau en réalité le nombre de composants qui se trouvent dans le tableau alors ici vous avez euh, donc euh, toutes les fonctions utiles sur les tableaux qui sont là à disposition donc la valeur qui va se retrouver ici je vais supprimer 1 donc normalement on devrait avoir une longueur de tableau équivalente à 4 donc ici, j'aurai 3 comme le dernier index de cette boucle fort. La boucle FOR va donc incrémenter 0, 1, 2, 3. Ce qui correspond bien à nos quatre statiques mèches qui se trouvent dans le tableau. Ici, on crée un nouveau tableau qui cette fois-ci est le tableau de l'intention des mèches, des statiques mèches. Donc là, on va additionner donc, des composants des statiques mèches dans, dans ce tableau grâce à cette opération add. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter Eh bien, ce que l'on va prélever avec get qui se trouve dans ce tableau ici. Donc ici, on va récupérer donc, les quatre statiques mèches que l'on applique indirectement dans ce nouveau tableau qui se trouve ici. Alors là, on a le add intentiel static mesh component et le set static mesh. Donc qui nous permet justement de mettre ces static mesh dans ce nouveau tableau. Une fois que la boucle est terminée, on va donc avoir une information qui va sortir ici pour nous dire que la boucle est exécutée complètement. Alors on attaque ici une nouvelle boucle qui va tourner entre le nombre de mèches et la valeur de l'index qui est à 1. Donc ici on va introduire le nombre de mèches que l'on veut voir apparaître dans le box. Alors ça peut être 50, 500, 2000. Donc c'est le nombre de plantes qui va être donc affiché ou créé dans le box. Ici on a un clamp sur le nombre entier, donc ici c'est un nombre entier bien sûr. Alors on va mettre par exemple une valeur ici de euh, 100 pour commencer. Donc euh, nombre de mèches, donc 100. On va rendre quand même cette variable du type euh, public number of mesh. Public. Ensuite, on a un clamp ici qui va donc euh, délimiter. Donc, le minimum de mèches sera 1 et le maximum qu'on peut mettre sera de 1000, non de mille plus exactement. Donc, ici la boucle va tourner de 1 jusqu'au nombre de mèches qui est spécifié ici. Avec ce programme qui se trouve ici, on va calculer un nombre aléatoire en sortie ici donc un vecteur aléatoire dans la zone donc euh, du rayon et plus exactement dans la zone de la boîte ce nombre aléatoire va nous permettre de positionner une statique mesh dans le box alors pour cela on a ici le rayon on a ici une valeur du type random, c'est-à-dire un nombre aléatoire. Et ici, on a une variable booléenne qui, suivant son état, vrai ou faux, va nous donner ici en sortie un nombre en floating point, soit de 1, soit de 1,8. Donc le nombre qui sortira ici sera un nombre floating point. Pour créer une variable aléatoire, on clique ici sur variable, on choisit ici dans la catégorie random et on choisit random stream. Ensuite ici on a des fonctions du type floating point qui nous sortent un nombre aléatoire en sortie dans les limites comprises entre le minimum et le maximum. donc on a ceci donc euh, on a trois modules ici même quatre, un quatrième module. ensuite ici grâce à ces divisions on va déterminer donc euh, ces valeurs qui se trouvent donc ici x y z sont bien à l'intérieur du box. si l'on veut tester le résultat du vecteur qui sort de ce module eh bien on peut rajouter ici vous voyez un print string à l'écran donc ou bien dans la console grâce à ce convertisseur ici qui convertit un, une valeur vectorielle en une chaîne de caractères x y z alors on fait une compilation et on fait un test Donc là, on retrouve dans la console, vous voyez, ces deux valeurs qui se trouvent ici. Donc ce sont les valeurs calculées x, y et z. Donc ici, j'ai réduit, vous voyez, la valeur du radius à 10 et j'ai mis seulement deux euh, statiques mèches dans, dans cette boîte. Ensuite, il faut stocker le vecteur qui sort de ce module dans une variable qui s'appelle span. Point. Donc ici, on a une variable du type vectoriel. Alors, on va faire cette connexion pour sauver donc toutes les valeurs vectorielles en fonction aussi du nombre de mèches. Alors, si je mets, par exemple, un nombre de mèches à 100. Eh bien, je vais stocker donc les 100 valeurs vectorielles dans cette variable. Donc successivement. Ensuite, on attaque donc ici une branche, alors suivant l'état de la branche, c'est-à-dire suivant l'état de la variable booléenne aligne to surface, eh bien, on part de ce côté ou bien de ce côté. Alors, regardons le cas où la valeur est fausse, donc on va de ce côté et à cet endroit-là, on fait un test pour savoir si euh, on a une collision ou pas. Alors ici, on va utiliser pour le test ce module, un simple sphère trace. Donc en somme, ici, on crée une sphère qui balaye le long d'une ligne. Et suivant donc l'état ici, on aura soit une valeur booléenne fausse ou vraie si on a collision ou pas collision. Alors ici, euh, eh bien, je ne vais pas vous expliquer ceci, donc c'est euh, assez compréhensible. On a un peu de calcul vectoriel ici. On a euh, un, deux vecteurs qui sont additionnés donc avec ces deux valeurs qui sont là appliqué ici dans des additions vectorielles, on définit donc le point de départ de la ligne et le point de fin de la ligne. Ensuite, donc, on a un résultat qui apparaît ici et suivant la valeur de ce résultat, on va attaquer ici, vous voyez, la création, donc, de l'instance, d'une façon aléatoire, donc, dans le box. Le A d'instance a sur ses entrées donc euh, sur le target eh bien la statique mèche que l'on va donc ajouter et ici à cet endroit on a la rotation et euh, la position de la statique mèche dans le box qui est calculé donc à cet endroit ici alors ici eh bien on prend donc dans le tableau donc, des vale donc les statiques mèches qui ont été intensiés ce qu'on a expliqué au départ et ici les statiques mèches utilisent donc un random donc un nombre aléatoire qui permet donc de changer de statique mesh pour pas toujours avoir la même fleur par exemple alors ici on a aussi la même chose ici, on a des nombres aléatoires qui sont euh, utilisés pour créer une localisation aléatoire, une rotation aléatoire et aussi ici un changement d'échelle aléatoire. Donc en conclusion, on obtient donc ce résultat-là. Alors le blueprint donc euh, random foliage, ceci est l'original j'ai donc euh, détaillé cet original vous le retrouvez dans euh, le blueprint du type office où euh, il y a plusieurs blueprints qui sont intéressants de pouvoir décoder et comprendre alors regardons peut-être maintenant encore euh, la notion ici donc le radius donc on peut changer vous voyez le rayon là ensuite euh, Là, le nombre de mèches, on peut augmenter, vous voyez, le nombre de statiques mèches, de plantes. Ici, le Falloff qui est ici va nous permettre de changer l'échelle. Vous voyez, on a des plantes de valeur différence. Si je clique ici, eh bien, ça sera un minimum de 0,8 et un maximum de 1,8. Par contre, si j'enlève le Falloff, eh bien, euh, J'ai donc ces plantes avec ces différentes hauteurs. Voilà. Alors, diminuons peut-être ici, on va mettre 100 plantes. Et maintenant, le align to surface est utile lorsque l'on a par exemple une statique mèche dans la scène et que l'on ne veut pas que euh, des plantes soient euh, positionnées par exemple à l'endroit de la statique mèche mais seulement autour de la statique mèche alors nous allons faire une expérience avec un simple box qu'on va rajouter donc euh, au milieu de ces plantes donc euh, ici j'ai rajouté un box au milieu des plantes là on n'a pas la variable align to surface qui est cochée donc on voit qu'il y a des plantes qui sont sous dans la boîte ici. Alors si par exemple je me mets en mode Virframe, vous voyez qu'on a dans le box des plantes. Par contre si je fais Align tout surface, eh bien, vous voyez, on n'a que les plantes qui sont autour donc, du box. on a donc ici la map que j'ai utilisée pour expliquer donc cette technique de distribution aléatoire de plantes Donc voilà, ceci sera la fin de cette vidéo.